on se retrouve, on est le 6 mars pour vous présenter ma pile à colorier pour ce mois. Bon bah j'ai déjà commencé à colorier, j'ai déjà un coloriage 3 quarts terminé. Voilà, donc je vais commencer à vous présenter. Donc il y a le solmet. Alors je sais pas si vous voyez bien. Ah, attendez. J'essaie de bien vous cadrer. Voilà. Voilà. Le solmet pour le challenge de Camille. Donc j'attendais qu'elle nous sorte. Pour aussi vous tourner pour savoir de quel il s'agissait. Bah, attendez, il me semblait que j'avais marqué la page. Et je ne l'ai pas marqué. C'est un truc, c'est une double page. C'est aquatique. Attendez, c'est bien le solmet que j'ai pris. Du coup, c'est... Il me semblait que j'avais marqué la page et je n'ai pas marqué la page. Ah! Alors, ça commence bien. C'est un poisson. J'ai des restes de post-it du tag de Anna Carlson. Du coup, c'est pas là, c'est pas là. C'est celui-là. Voilà, c'est la double page. Alors là, pour moi, ça, j'ai beaucoup de challenges ce mois-ci. C'est le colorier du milieu aquatique, c'est un truc que j'ai jamais fait. Je sais pas du tout comment m'y prendre parce que. Il me semble qu'il faut colorier un peu à la normale, mais après il faut flûter un peu les éléments parce que c'est sous l'eau. Alors je crois que Camille va faire des tutos, donc je vais essayer de suivre ses tutos. Puis sinon, ben, on va aller voir si je trouve d'autres tutos sur YouTube. Voilà pour le solmet, donc ça en fait deux. Alors, aussi un petit challenge dans le saison, j'ai un duo avec Clio Colo. Qui m'a gentiment proposé de faire un duo avec elle. Mais je me dis, elle a fait des trucs hyper chouettes. Donc, c'est un petit challenge pour moi de se mettre à son niveau. Donc, c'est 7 pages. Alors, elle m'a proposé de faire un duo dans le saison. Puisqu'elle aussi, elle avance pas mal son saison. Et elle m'a proposé de choisir. Dans ce que j'ai fait, j'ai un peu regardé rapidement l'ensemble de ses vidéos coloriage réalisées pour voir lesquelles des saisons qu'elle n'avait pas fait. Et que moi non plus. Et celui-là, elle n'avait pas fait. Et d'un côté, je me suis. Et j'ai choisi cette double page. Parce que moi, je l'ai fait par double page. Parce que je voulais me challenger ce mois-ci. Je voulais faire les effets poils, mais un vrai effet poil. Donc j'ai pris cette double page parce qu'il y avait les deux chats là à côté. Et que. Alors, c'est celui-là qu'on va faire en duo. Et je dis qu'on fera pas, je ne fais pas les chats en duo parce que si je me rate, j'ai pas envie de. Que ce soit sur un duo. Et que si, bon, je le. Si je réussis, j'ai dit que je lui enverrai la primauté. Quand même. Alors, c'est un challenge parce que je me dis. Là, c'est quand même deux gros chats. Donc, faire un bon effet poil. Et je me dis. Si je le réussis. Si j'arrive à faire des jolis chats. Ça va me débloquer parce que je sais qu'à la fin, il y a... Si ce chat, ça me botte parce que je me dis après, je pourrais faire le chien. Celui-là, il me bottait, mais je ne me sentais pas. Et je crois qu'il y a... Peut-être pas celui-là. Après, il y a l'écureuil. Voilà, la première fois que j'aurais... Si j'aurais fait un joli chien, l'écureuil, je pourrais peut-être le faire sans problème. Après, il y a d'autres... Il y a d'autres chats. Dans la... Là aussi, celui-là. Voilà, il y a encore un chat. Donc, je me dis, si j'arrive à réussir celui-là, à faire deux beaux chats, ça peut me débloquer pour faire les suivants. Donc là, j'ai un petit challenge, deux challenges. Me mettre au niveau de Clio Colo pour le duo. Et puis, je vais remettre le marque-page et réussir mes chats. Ah, j'ai enlevé le marque-page, du coup. Où est-ce que j'ai... Je crois que c'est dans le printemps, je crois. Printemps ou l'été ? Ah. Et le... Non, c'est pas celui-là. Là aussi, il y a encore des effets poils. Donc, il y a pas mal d'effets poils. Hein. Ah, c'était peut-être dans la partie été.
Où est-ce que je l'ai mis? Bon, je le rangerai après. Je le rangerai après. Après, autre challenge, j'ai eu l'honneur que Amandine Jung s'est abonnée à ma chaîne. Et puis, juste au moment, parce que vous savez, là, pour le moment, tous les mois, je veux entamer un de mes livres. Alors, j'en ai plus beaucoup entamé. Il me restait entamer les deux d'Amandine Jung et puis soit de Mythomorphie que j'ai reçu. Donc, j'avais prévu pour le mois de mars d'entamer le Blanche-Neige et au mois d'avril d'entamer le Cendrillon. Donc, juste au moment où Amandine s'abonne, donc ça me fait un petit défi. Alors, je me suis dit, je ne vais pas mettre la barre très haute. Je vais faire la première page. Et je me dis, elle n'a pas l'air d'être trop compliquée. Après, il est joli. Hein. Puis c'est vrai que, comme beaucoup disent, après, bon, il y avait celui-là qui n'était pas compliqué, mais je me suis dit, bon. On va quand même essayer de faire Blanche-Neige. Commencer par Blanche-Neige. Voilà. Donc, je vais tenter de faire celui-là. Et là, vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, je vous ai dit dans des vidéos d'avant, je me suis mis un peu au diamond painting, mais beaucoup, hein, j'aime bien. Et entre autres, j'ai fait des marque-pages, je ne sais pas si vous les voyez, que j'avais commandé sur AliExpress. J'avais vu sur des chaînes YouTube des marque-pages. Et je trouve ça, moi, je me suis dit, ils sont jolis, c'est très rapide à faire. Après, j'ai des toiles aussi. Je vous montrerai dans un vlog mes quelques toiles que j'ai en cours et terminées. Mais là, voilà. Je vous montre. Ouais, ce que je... Et puis, pour mettre dans mes livres, je me suis dit, marque-pages, mettre dans mes livres de coloriage, c'est pas mal. Voilà, ça c'est petite parenthèse. Après. Alors. Ça, c'est... Pour, vous voyez, j'ai un autre marque-page, je vous montre. Hop, vous voyez. Alors, on revient au coloriage, Chemin Night. Alors ça, c'est pour cette page. C'est Zazou en couleur, et je crois qu'il y a Camille aussi, coloriage, qui a lancé un peu, c'est pas un challenge, lancé un coloriage de solidarité pour Anna Carzon, pour soutenir Anna Carzon dans son épreuve. Et je crois qu'ils ont proposé de faire cette page et de tous la mettre, de l'envoyer pour soutenir à la Carzotte. Donc j'ai mis cette celle-là. Puis je verrai si j'ai le temps, je ferai peut-être, celui-là doit pas être très long à faire. Voilà. Après. Magical Delight. Alors mes trois du mois. Il avance, je crois qu'à la fin du mois. Quand j'aurai fini mes trois, il me restera moins de 10 à faire. Alors, il y avait celui-là à faire, que j'ai déjà fini. Donc, je vous montre, hein, si vous avez la primauté. Après, j'ai celui-là qui est en cours. Et après, j'ai celui-là. Et si jamais je me dis, selon la fin du mois, comment j'ai avancé, peut-être que je ferai... J'en ai vu un qui n'était pas gros, qui ne devrait pas être long à faire. Il est où? Ah! Attendez. C'est là, j'essaie de faire dans l'ordre. Ben, je l'ai perdu. Ben. Là, ils sont tous là. Ah, j'en avais repéré un qui devrait pas être long à faire. Là, il s'est envolé. Là, c'est tout fait. Donc là, ça fait les trois. En prenant la suite. Celui-là. Celui-là va être un peu plus long. Celui-là. Voilà. Celui-là. Que je me disais, si jamais j'ai le temps, à la fin du mois, je ferai celui-là. Et comme ça, il m'en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6 coloriages à faire. Donc, il avance. Botanicum.
Là aussi, j'essaye d'en faire un par mois parce que j'avais un peu délaissé, donc j'essaye d'y revenir. Alors ça, je l'ai presque fini, il ne reste plus que le fond. Voilà, alors là, c'était un petit, hein, tout petit. Le fond. Donc pareil, s'il me reste le temps, finalement, je me dis peut-être faire la page à côté. Voilà. Voilà, ou sinon, pour le moment, je le laisse comme ça. Je ne fais pas de fond. Et j'attends de voir, d'avoir fait la page à côté. Pour faire un fond qui aille bien pour les deux. Je vais voir. Peut-être le faire quand même. C'est là, comme ça, je ferai le fond. À réfléchir. Voilà pour ma pile à colorier en mystère. Après, pour les mystères, je ne fais pas spécialement des piles à colorier. Je prends comme ça. Je pioche dans mes livres et puis je colorie. Sachant que là, j'en ai déjà fini un, deux. J'en ai fini deux pour ce mois-ci. Voilà pour ma pile à colorier. Et donc, on est dimanche. Et aujourd'hui, un petit peu plus tôt dans la journée, j'ai commencé à vous tourner un vlog. Un vlog qui va se dérouler sur une semaine. Voilà. Voilà, je vous laisse. Et puis on se retrouve et ben, dans la vidéo du vlog qui va sortir aussi d'ici là. Alors, la vidéo, là, elle va sortir en milieu de semaine. Le vlog devrait sortir le week-end prochain ou en début de semaine d'après, dans 10 jours. Et puis voilà. Et puis bon, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce. Je vais mettre un livre, ça sera plus joli quand même. Voilà, à mettre un pouce, à mettre des commentaires. Si vous faites des piles à colorier ou pas. Et puis, si vous voulez faire des duos, n'hésitez pas à demander. Alors, peut-être pas pour le mois de mars, mais pour le mois d'avril. Si vous voulez faire des duos, ben, n'hésitez pas à me demander sur mon compte Instagram qui est affiché dessous. Et puis sinon, bah, abonnez-vous bien. Abonnez-vous. Pas bien, abonnez-vous si vous le souhaitez. Hein. Et puis sinon, bah, faites de beaux coloriages. Et puis, à bientôt. Bisous, bisous.